Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Last Level, une vidéo d'une pièce de ma collection. Et on va voir aujourd'hui la phase 4 de Wolverine par Alejandro Pereira. Alors on avait vu précédemment, je vous mettrai du coup le lien en vidéo, la phase 3. La phase 3 elle présentait du coup le Wolverine vraiment classique avec le costume yellow quand il affronte les Sentinelles. Là aujourd'hui on va avoir un Logan beaucoup plus âgé puisque c'est issu du comics Old Logan et son combat contre Maestro. Alors comme vous l'aurez certainement remarqué, c'est pas la tête Old Logan qui est sur la statue là pour l'instant, mais la tête classique Wolverine. J'ai choisi de la mettre et de commencer la vidéo par celle-ci parce qu'elle est également très très réussie. On a du coup dans cette statue de Last Level 4 têtes qui sont fournies. Deux têtes Wolverine classique, une bouche ouverte, une bouche fermée, et deux têtes Old Logan, pareil, bouche ouverte et bouche fermée. Et idem pour notre ami Maestro. Maestro, il a lui aussi deux têtes, une bouche fermée, une bouche ouverte. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, on a six têtes pour les deux personnages qui représentent cette statue. Alors, Alejandro Pereira, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. C'est du coup l'un des deux sculpteurs phares, un des deux sculpteurs digitaux phares pour le groupe Last Level avec Franco Carlesimo. Il travaille habituellement, enfin souvent aussi, pour XM Studio. Il est à l'origine notamment du Venom, du Thanos, du Cable. C'était d'ailleurs apparemment l'une de ses créations préférées pour XM. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Il nous a fait le Rhino récemment aussi de l'univers Spider-Man. Voilà, donc un sculpteur très talentueux qui sculpte la plupart du temps des personnages simples. Et là, au travers de ces différentes phases de Wolverine, alors les phases de Wolverine, je vous en avais parlé aussi dans la vidéo du phase 3, c'est quoi? C'est l'évolution en fait du personnage de Wolverine. Alors je vous mets là aussi une petite image où on voit les 5 phases, à savoir que la 5e phase n'est pas encore sortie. C'est une statue que j'ai préco qui sera normalement disponible en juillet, mais que le kit non peint. Donc bon, je ne sais pas quand je vous la présenterai terminée. Voilà, ces 5 phases de Wolverine qui sont censées retranscrire et immortaliser les moments vraiment cultes du personnage, de ses débuts, son évolution jusqu'à la fin, en fait, avec ses différents costumes et l'évolution de son physique. Aujourd'hui, on voit du coup sa version vieille, en fait, avant qu'il renaisse dans les X-Force, avec ce Old Logan, mais ils ont choisi de représenter son combat avec Maestro, même si c'est effectivement bon, une partie relativement courte dans le comics. Je crois que c'est aux alentours du comics 23, 25, on doit être un truc du style. Son combat contre Maestro, ça fait une statue qui est complètement dingue et vraiment, vraiment épique. Sur cette représentation. Alors, cette statue, quelques petites données techniques, c'est une statue qui est tirée à 70 exemplaires, donc comparativement aux autres phases quand même plus. Effectivement, plus ça va, plus les phases de Wolverine sont tirées à un nombre important, puisqu'elles rencontrent vraiment un très grand succès. La phase 2, dont j'ai encore parlé cette semaine avec mon ami Jérôme ou Fran, c'est une statue voilà, qui fait exploser les budgets quoi. Une statue voilà, selon les peintres qui se négocie parfois jusqu'à 15 000 euros, truc complètement délirant. Cette phase 4, bon, elle est quand même moins chère. C'est une statue qu'on voit rarement, d'autant plus que il y a des exemplaires qui ont été peints j'adore vraiment pas trop, avec une peau de Maestro très très foncée. Bon, bref, pas excessivement fan, mais c'est une statue qu'on voit quand même rarement sur le marché de l'occasion. Selon les peintres, c'est une statue voilà, qu'on a retrouvée vers les 2 500-3 000 euros. C'est bien sûr un très gros montant. Maintenant, Last Level, bon, c'est quand même le groupe de custom le plus connu, et surtout Alejandro Pereira, c'est un sculpteur vraiment talentueux et très connu pour les fans de comics s'intéressant au monde du custom. Donc je suis honnêtement pas très très surpris voilà, de ces tarifs entre guillemets relativement exorbitants, d'autant plus que là on est sur une pièce qui fait, alors il y a un carton pour Maestro, 45 kg, et un carton pour Wolverine, ouais ils ont pas mis le poids pour Wolverine, si, 14 kg,
Voilà, donc on est sur une statue qui va avoisiner du coup les 60 kilos. Donc bon, quand même un joli petit bébé. 70 exemplaires, une peinture. Alors là, on est sur une peinture usine, bon, qui est quand même extrêmement propre. Il y a bien sûr moyen de pousser encore mieux avec des peintres indépendants. Mais on a déjà un résultat qui moi, je trouve assez saisissant. Je remercie, d'ailleurs je ne l'ai pas encore fait, une nouvelle fois mon ami Fran pour m'avoir vendu, échangé du coup cette statue et m'avoir, je vous le mets en petit screen aussi, le numéro 1. Numéro 1, du coup mon troisième numéro 1 chez Last Level, je suis vraiment vraiment content, même si ça change rien au rendu, ça fait toujours plaisir, un petit number 1. Voilà, donc cette statue de Maestro, alors Maestro, je ne sais pas si ceux qui regardent la vidéo le connaissent, qu'est-ce que c'est Maestro? C'est, comment je vais vous expliquer ça? C'est en fait Hulk qui est petit à petit de plus en plus aigri, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais franchement c'est celui qui me vient, aigri par l'humanité, par sa dégénérescence, par sa capacité à s'auto-détruire, et qui va en fait petit à petit de devenir... de plus en plus en colère et violent envers l'humanité, jusqu'à ce qu'il remplace, je crois que c'est Hercule, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, pour les méga fans de comics, si je fais des erreurs ou sur Logan ou sur Maestro, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours un grand grand plaisir d'en apprendre plus, d'autant plus que ces histoires sont passionnantes. L'histoire de Maestro, elle est déjà très très chouette honnêtement, mais l'histoire de Old Logan, alors déjà visuellement, c'est une tuerie intersidérale. Les comics sont magnifiques, très violents, vraiment très visuels, quoi. Donc j'aime énormément, mais voilà, mais je suis pas un ultra méga expert, donc si je commets des bourdes, n'hésitez pas à me corriger, ce sera avec grand grand plaisir que je lirai du coup les correctifs, quoi. Voilà, et donc Maestro, il arrive dans une ville, enfin Hulk, il arrive dans une ville qui est dirigée justement entre guillemets par une espèce d'empereur se faisant appeler Maestro, et c'est le personnage d'Hercule, si je me souviens bien, qui dirige. Hercule, il est très content de voir Hulk parce qu'il dit ah cool, je vais avoir un pote avec qui m'entraîner. Du coup, il se bastonne un petit peu. Bon, l'histoire continue. Et du coup, plus tard, Hulk, je crois que Hulk, il ramène un autre personnage qui va empoisonner Hercule, si je me souviens bien. Et du coup, il va réussir à le battre, à le tuer. Et il va du coup prendre sa place en tuant le personnage qu'il avait aidé à tuer Hulk. C'est-à-dire que Hulk, il vient avec un personnage qui arrive à battre Hercule, et ensuite Hulk, il tue ce personnage et il raconte à la population qu'il est du coup le sauveur, le héros, et il devient le nouveau Maestro. Voilà. Et donc bon, le temps passe, etc. C'est pour ça qu'il a du coup une barbe et des cheveux gris comme c'est représenté sur la statue. Alors, cette composition, comment se détaille-t-elle? Ben, on a du coup le personnage de Maestro qui est coupé à hauteur de cuisse, parce que bon, bien évidemment c'est un personnage qui est très très imposant. Là, pour rester dans un cadre de statue relativement classique et harmonieux avec le reste des 5 autres phases, enfin des 4 puisque les phases sortent petit à petit, et quand on était à la 4 ils n'avaient peut-être pas encore imaginé la 5, mais en tout cas pour s'harmoniser avec les 4 premières, on a voilà, on a une espèce de semi-diorama comme ils avaient déjà fait avec la phase 2 avec le Wendigo, où il était allongé sur le sol et où il prenait du coup peu de place en hauteur. C'est vraiment le personnage de Wolverine qui est central, puisque l'appellation de cette statue, c'est Wolverine phase 4. C'est pas Wolverine versus Maestro ou Maestro versus Wolverine ou je ne sais quoi. C'est la phase 4 de Wolverine alias Old Logan. Et du coup voilà, Maestro, il vient du coup appuyer, mettre en avant du coup ce Old Logan. Alors franchement, ils sont magnifiques l'un comme l'autre, la sculpture est complètement dingue, comme voilà, comme de toute façon bon, Franco Carlesimo, Alejandro Pereira, et moi j'aime énormément aussi Caleb Nevzen. Je sais que bon, du coup Fran, si jamais il regarde la vidéo, enfin il comprend pas le français, mais bref, voilà, peut-être lui est moins fan, moi j'aime beaucoup beaucoup Caleb aussi, mais voilà, mais bon, on est là vraiment sur des sculpteurs qui sont ultra méga giga fans de comics,
et vraiment qui mettent, alors moins du coup pour Caleb, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est un peu moins aimé, parce qu'il est un peu plus dans la production de masse, entre guillemets. Mais voilà, mais Franco et Alejandro, c'est vraiment, ça se voit, des mecs ultra fans de comics et qui sculptent ce dont ils sont fans et ils essayent de le magnifier au maximum. Et vraiment, on le voit, cette sculpture, elle est complètement dingue. Les expressions de Wolverine, que ça soit du coup en Hulk ou en Wolverine classique, elles sont à tomber par terre. Franchement, c'est saisissant. J'essaierai de vous faire le maximum de zoom, mais c'est vraiment, vraiment sublime. On a une pose qui est extrêmement dynamique, un dynamisme poussé à son paroxysme. Alors, vous le savez, moi, j'aime énormément les statues dynamiques. J'aime pas trop les standing poses. Donc là, bah, je suis ultra méga rassasié avec ça, puisqu'on a, voilà, on a Maestro en plein combat en train de charger son poing et d'essayer de se protéger des attaques de Wolverine. Et on a Logan, comme d'habitude, qui crée un dégain, qui fonce du coup sur Maestro, qui enfonce sa griffe droite dans le pectoral de Maestro. Vous avez du coup sur la statue, bah, les griffes qui sont coupées et qui viennent s'enfoncer dans l'autre pièce. C'est truc de ouf, quoi, parce que rien que ça, par exemple, sur les d'autres statues un peu du même esprit, on va avoir du coup la pièce qui est moulée d'un seul bloc, ou alors l'élément du premier personnage qui va venir s'arrêter contre le deuxième. Là, vraiment, vous avez les griffes qui rentrent du coup dans le Maestro. Donc c'est de la bombe, et vraiment le deuxième la deuxième griffe, bah, prête à trancher avec du coup les plaques d'identification aussi de l'armée là qui repose dessus. Enfin, c'est d'un dynamisme complètement dingue, époustouflant. Franchement, c'est magnifique. Après, le painting, alors il est d'usine, c'est factory painting, je crois qu'ils appellent ça, factory paint. C'est voilà, donc bon, c'est effectivement, encore une fois, le très gros avantage des customs, c'est que, alors c'est faisable sur une statue classique aussi, mais le très gros avantage, c'est que des fois c'est peint du coup par des artistes extrêmement talentueux. Alors, je parlais encore cette semaine avec Jérôme des artistes français, donc j'hésite du coup vraiment pour ces statues qui le méritent amplement, parce que le sculpt, il est sidérant, à faire des très très beaux paints, mais c'est bien sûr un très gros coût supplémentaire. C'est pas 200 euros de repaint là. Maintenant, voilà, c'est vrai que lorsqu'on peut voir ces sculptures de dingue peintes par les meilleurs peintres au monde, je pense bien sûr à Faridza, je pense à Titinen Painter, voilà, des peintres qui ont vraiment un talent époustouflant. Bon, ben elles sont encore bien évidemment transfigurées, quoi, puisqu'on a un sculpte de taré qui est mis en valeur, qui est vraiment magnifié par tout un tas d'effets de peinture, et c'est vraiment époustouflant. Voilà, allez, on va zoomer du coup toutes ces pièces là, toutes ces phases du coup des différents Wolverine là, des Logan, les deux têtes classiques, les deux têtes Hulk, la tête de Maestro remplacée, et après on conclura sur cette pièce de dingue. Mais franchement, statue de malade mental, voilà, statue de malade. À tout de suite. Allez, on est du coup parti sur cette statue de malade mental. Donc la base, on a bien sûr celle de la ville, là comme dans le comics, avec un mélange de tons pierre et briques, complètement détruit. Ils nous ont mis également une petite poutre au fond. Et après, on a le personnage du coup de Maestro qui est directement... il sort du sol, quoi, comme s'il sortait vraiment des débris après leur combat, et que Wolverine lui bondissait dessus. Pour le personnage de Maestro, alors le paint est pas démentiel, parce qu'encore une fois on est sur un paint d'usine, malgré tout il est quand même extrêmement beau. Et par contre, niveau sculpture, bon ben voilà, Alejandro Pereira, c'est juste de la dinguerie. On a là ces traces de sang, vraiment bien fait, et au niveau du sculpte du personnage, c'est saisissant. On a beaucoup beaucoup de relief vraiment sur le personnage de Wolverine. Voilà, ils nous ont mis du coup, ben, vraiment on a la tenue Hulk Logan. Alors là, bon, encore une fois, je vous ai mis du coup la tête classique pour le début, mais bon, c'est bien sûr le corps de Hulk Logan qui est représenté sur cette scène issue du comics.
mais du coup les plaques. Les griffes, c'est trop bien fait. Donc pour cette première tête, du coup la tête bouche ouverte, oups pardon, je tangue un peu, tête bouche ouverte du Logan classique. Ok, vraiment classe, assez que j'exposerai, mais du coup en face, la tête de Maestro, vraiment bien vénère, qui est sculpté lui aussi à merveille. Et la partie, voilà, défense, quoi. Là, ce panorama, là, il est complètement ouf avec les deux personnages, quoi. Allez, je switch les têtes. Donc deuxième set possible, la tête bouche fermée, vraiment bien vénère, elle est bien sympa celle aussi, de Maestro, et du coup idem pour Wolverine, voilà, tête vraiment hargneuse, bouche fermée. Troisième tête possible, du coup bouche fermée également, mais avec All Logan ce coup-ci. Et vraiment, voilà, encore une fois, une sculpture de barbe, de cheveux, et incroyable, complètement incroyable. Cette, du coup, bouche fermée versus bouche fermée, trop classe. Et pour finir, mon set préféré, comme j'exposerai la statue, Maestro, bouche ouverte. Logan, bouche ouverte. Tête complètement dingue, celle-là. Avec vraiment, voilà, le vieux Logan, bouche ouverte. Je ne sais pas si vous voyez le sculpt, les cheveux, les dents, le visage, l'expression, c'est complètement insane, quoi. Cette pièce est complètement ouf. Pour le coup, dézoome un peu son entièreté. Incroyable. Allez, on conclut du coup, voilà, avec ce Old Logan versus Maestro, la statue telle que je vais la présenter dans ma collection, avec la tête bouche ouverte de Logan, l'expression de dingo atomique, et Maestro bouche ouverte, là aussi comme on avait ouvert la statue, parce qu'elle a la tête bouche fermée, elle est cool, mais je préfère encore plus la bouche ouverte. De toute façon, voilà, Hulk et Logan, c'est des persos, ils sont pas dans la retenue, donc vraiment, voilà, ils gueulent, ils ouvrent, ils y vont, quoi. Donc bon, vraiment ravi d'avoir cette statue, elle est tout bonnement complètement dingue. Je vous refais un rapide récapitulatif parce que vraiment je suis ultra fan, vraiment j'adore. Vraiment on est encore une fois sur des statues où il n'y a aucune retenue, on est sur un bloc de 60 kg, on est sur une statue qui est sculptée nos limites par un passionné. Voilà, c'est vraiment le pur produit, le pur collector pour le coup, quoi. Parce qu'on a une basse limitation et on a vraiment... Des artistes qui créent l'objet pour les fans parce qu'ils sont eux-mêmes fans, quoi. Et pas, alors, je vais pas commencer, voilà, encore une fois, à critiquer les grosses firmes, loin de là. J'ai énormément de produits de grandes marques, du coup, dans ma collection. Et il y a encore 6 mois de ça, je crois, j'achetais 0 custom. Donc bon, pas non plus cracher dans la soupe et retourner sa veste complètement. Mais c'est vrai que c'est des statues, franchement, je l'ai assemblé hier soir. Pourtant, je crois que c'était minuit après le boulot. C'est des statues de dingo, quoi. C'est vraiment, c'est l'émerveillement, c'est les étoiles dans les yeux en montant ça, parce que vraiment, ça transpire le produit fan à 1000%, quoi. Voilà, donc les phases de Wolverine. Alors, il y a la première phase en arme X qui vient faire du coup un triorama. Je vous en avais parlé dans la présentation du Omega Red de Final Master que je vous mettrai aussi en lien. Je ne sais plus si on peut mettre deux liens. Sinon, vous tapez sur la chaîne Final Master Omega Red. Voilà, un triorama avec Sabertooth
qui sort très prochainement de nouveau chez Last Level. Le kit est terminé, il devrait être envoyé, là je crois d'ici un mois, là, quelque chose du style. Donc un nouveau kit, un troisième nouveau kit pour Sabertooth. Ça va être, je pense qu'il va être vraiment, vraiment bien, bien badass et que ça va faire encore une fois une scène de fou. La phase 2, bon, que je vous présenterai jamais, vu son prix, vous l'aurez compris, où on a du coup, voilà, le début de Wolverine avec le costume yellow contre les Wendigo, enfin, contre un Wendigo. Bon, là, vu le prix, voilà, vous le verrez jamais sur Level Brothers, c'est sûr. Et la phase 3 qu'on a déjà vue, que j'adore, magnifique contre la Sentinelle. Cette phase 4 avec Maestro et la phase 5 avec Domino en comment il s'appelle ses costumes? Le nom m'échappe, ça y est. J'ai Armux dans la tête, c'est pas ça. Force, X-Force, le nom m'échappe. Bon, bref, vous l'aurez compris, le costume noir et gris, quoi. Voilà, donc bon, franchement... C'est rien que la photo des 5 phases là, je vous la remets une deuxième fois, complètement ouf. Complètement ouf, c'est un set qui suffit à lui-même. Je pense que vraiment, vraiment avec les autres statues, du coup là que j'essaie de réunir petit à petit, là, Last Level, Final Master et un peu de NMK Studio aussi que j'aime beaucoup, ça va vraiment faire un set comics de taré. Enfin en tout cas, je me le souhaite. Voilà. Allez, bah c'était vraiment un grand grand plaisir de vous présenter cette pièce, un grand plaisir de la recevoir. Encore une fois, merci beaucoup à Fran de m'avoir permis d'avoir cette statue à prix très correct par rapport à ce qu'elle se trouve quand on la trouve. Et surtout, number one, voilà, troisième statue number one, immense merci vraiment à Fran, trop 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 cool. À bientôt, pas pour du Last Level, la suivante je sais pas quand ce sera, peut-être cet été du coup, mais déjà impatient de vous présenter la suivante. Bye bye. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real.